Bienvenue à cette nouvelle série de conférences sur l'art contemporain qui donne la parole à des artistes, des commissaires d'exposition, des auteurs, des éducateurs, éducatrices et des universitaires. Je me nomme Marie-Josée Lafortune et suis la directrice du Centre d'art contemporain Optica. Je voudrais commencer par reconnaître qu'Optica est située sur des terres autochtones non cédées, la nation Ganyengé Haga, est reconnue comme la gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nous nous rassemblons aujourd'hui. Nous respectons les liens continus avec le passé, le présent et l'avenir dans nos relations continues avec les peuples autochtones et autres au sein de la communauté Jiaogyaagwe Montréal. Aujourd'hui, nous accueillons Charlotte Clermont qui s'entretiendra avec Stefano Miraglia, artiste et commissaire d'exposition. Issue du cinéma expérimental, Charlotte Clermont interroge nos perceptions du réel par l'entremise d'un dialogue entre les explorations vidéo et sonores. Ses œuvres ont été présentées au Canada et à l'international dans de nombreux festivals de cinéma, mentionnant le Festival international du film sur l'art, Fracto en Allemagne, le Festival des cinémas différents et expérimentaux de Paris, IF Rotterdam, Künstlerhaus Britannien en Allemagne, Crossroad aux États-Unis, Arctic Moving Image and Film Festival en Norvège et le Edinburgh International Film Festival. Elle a été aussi artiste en résidence au studio Kura, Japon, Signal Culture aux États-Unis, Fusion Gallery en Italie, Shirohani à nouveau au Japon et Skaldfell en Islande. Elle est titulaire d'un baccalauréat en studio de l'Université Concordia. Stefano Miraglia est artiste et commissaire d'exposition basé à Paris. En tant que commissaire, il s'intéresse à la façon dont la cinéphilie fonctionne à l'intersection entre l'art, la pédagogie et la pensée collective. Sa recherche porte depuis 2019 sur la redécouverte et la réévaluation de l'œuvre d'Elis Donda. Il est le fondateur et commissaire de Moving Cat, une plateforme sur l'image en mouvement qui présente une sélection en continu d'œuvres et d'images animées, libres de droits et disponibles sur Vimeo, ainsi que des programmes spéciaux, des commissaires invités et un index répertoriant les thèmes et les pratiques. Comme artiste, il a exposé dans des musées, des galeries, le Taiwan Contemporary Culture Lab, le Centrum en Allemagne, le Museo Mar en Argentine, et a participé à de nombreux festivals de cinéma. J'aimerais maintenant souhaiter la bienvenue à Charlotte Clermont et Stefano Miraglia. Merci. Merci. Merci Marie-Josée. Merci à Optica et à Esther Bourdage aussi. Et bonjour Charlotte. Allô Stefano. je suis vraiment très content de parler avec toi. On va essayer de parler de ta pratique et de l'exposition Microsleeps. Oui. J'aimerais commencer par raconter la première fois qu'on s'est rencontrés. C'était à Toulouse, un festival. Mm-hmm. Et toi, tu présentais un film qui s'appelle « Plants are like people ». Oui. Et ça a été assez marquant parce que t'as, avec la bande-son de ce film, tu as vraiment impacté le public. C'était une bande-son conçue, je crois, pour être proposée très forte. C'était une bande-son... disons, de musique expérimentale. Et en même temps, c'était une sorte de présentation. Ça a très bien fonctionné aussi comme présentation de ton travail et de toi-même, parce qu'on voit aussi une sorte d'autoportrait. Mm-hmm. Et voilà, on s'est rencontrés comme ça, en parlant de ton film après, à Toulouse. Et je remarque que dans Plants Are Like People, il y a une collaboration avec Émilie Payeur, qu'on retrouve aussi dans l'exposition à Optica. Voilà, est-ce que tu peux... Est-ce qu'on ne pourrait pas commencer par le son et par ton rapport au son qu'est-ce qu'on retrouve de tes films de 2018, 2019 qu'est-ce qu'on retrouve de ça dans cette nouvelle pièce que tu exposes à Optica. Mm-hmm. Merci, oui. En fait, c'est un rapport assez particulier avec la musique.
La première fois que j'ai entendu ce type de musique-là, j'étais fâchée, puis je ne comprenais pas c'était quoi. puis après, ben, j'aime bien me forcer dans ces moments-là quand je sens des réticences pour essayer de comprendre. Donc, j'ai développé un intérêt petit à petit pour ce genre de musique-là. Puis avec Émilie, en fait, je l'ai connue, elle, dans un de ses vernissages. Mais je pense que la collaboration, pour moi, sonore surtout, c'est vraiment une façon, c'est comme ça que je le perçois, de faire l'amour avec quelqu'un. Donc, une façon de me rapprocher de quelqu'un, d'être plus intime, parce que, par exemple, je joue aussi avec Émilie dans un groupe qui s'appelle Moshi Moshi avec Gabriel Godbout. J'ai l'impression que quand on peut se réunir avec des gens pour faire de la musique, c'est vraiment un univers particulier qu'on peut créer. Puis ça me donne vraiment beaucoup de sensations. Je suis une personne qui est sensible, qui expérimente aussi de la synesthésie. Donc ça vient jouer assez souvent quand on fait de la musique. Puis c'est ça, en fait, Émilie et moi, on partage des univers assez connexes. C'est pas très difficile de travailler avec elle parce qu'on a une appréciation pour l'une et pour l'autre en tant qu'amis, mais aussi dans nos travails respectifs. Je pense qu'il y a beaucoup de respect et d'écoute. Donc, pour l'exposition Microsleeps, par exemple, je lui ai seulement donné quelques petites directives. Je lui ai fait totalement confiance parce que je savais qu'elle réussirait à aller vers ce que j'avais en tête. Puis, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, quand on envoyait les sons en progrès, c'est ça, j'avais des fortes réactions. Là. Des fois, ça me faisait pleurer. C'était vraiment beau. Et du coup, oui, c'est assez intéressant parce que tu, en fait, avec, il me semble qu'avec Émilie, vous avez réussi à construire une sorte de symbiose et on retrouve la musique d'Émilie voilà, dans ton cinéma, dans ton œuvre. Mais c'est aussi intéressant que au fil des années, tu as fait des collaborations, une sorte de pratique personnelle, du partage. Du coup, tu as parlé de ton groupe Moshi Moshi, mais il y a aussi des collaborations avec Julien Champagne, oui, pour le film You're a Plant Whisperer. Avec Viviane Voltige, que je crois c'est que Gabriel. C'est Gabriel. Oui. Voilà, du coup, il y a le partage, comme, enfin, le partage, c'est une partie de ta pratique, il me semble. Et pour moi, c'est important de souligner ça, et j'aimerais bien savoir ce que tu en penses, parce que en regardant ton œuvre, tes films, il me semble que tu construis, enfin, c'est une œuvre qui, dans l'ensemble, semble être aussi un journal intime ou peut-être des morceaux choisis de ton journal intime ou bien des traces de quelque chose de vraiment intime. Et je trouve qu'il y a vraiment une connexion entre le partage, la collaboration et cette intimité que tu montres, devant la caméra ou en utilisant le son ou les couleurs, voilà, il y a une intimité, mais aussi un aspect vraiment très pragmatique du partage. Qu'est-ce que tu peux me dire sur ça? Je pense que, en fait, au début, j'ai été inspirée par mon ami Guillaume Vallée, qui est aussi cinéaste expérimental, qui a été un mentor pour moi. Puis donc, Guillaume travaillait comme ça, en fait. Il demandait souvent à des amis qui font de la musique de réaliser les trames sonores pour lui. Donc, je pense que ça a été sur ce modèle-là, à la base, que je me suis
fixer ces objectifs-là. Mais c'est certain qu'on peut... Ben, en fait, moi, comment je le perçois, je vais demander à des personnes qui sont proches de moi, pas n'importe quel artiste sonore, pour réaliser justement des trames. Parce que c'est important pour moi que ce soit des personnes qui puissent saisir la sensibilité dans les films que je fais. Mais c'est aussi vraiment juste d'une façon très égoïste. C'est vraiment pour moi-même parce que je vis beaucoup de sensations quand je reçois le matériel final. Donc, pour moi, ça renforcit en fait les liens avec ces personnes-là. Donc, souvent, c'est des amis, puis ça va venir teinter notre amitié d'une autre façon. Puis c'est aussi des gens en qui je dois avoir confiance à 100% parce que ça fait peur de choisir quelqu'un puis de dire « OK, ben fais ce que tu veux » parce qu'en fait, je ne vais pas donner de directive la plupart du temps. Dans l'exposition, j'ai un petit peu plus dirigé Émilie parce que ça m'angoissait de faire une exposition puis d'habiter l'espace d'une certaine façon. Puis j'avais un peu plus une idée précise du produit final. Mais autrement, habituellement, dans les films, je donne carte blanche parce que moi aussi, je fais de la création. Donc, je trouve ça plus agréable quand la personne peut juste connecter avec ce qui se présente à elle puis y aller librement. Donc, c'est ça, il y a une grosse partie de confiance qui vient jouer. Mais pour moi, c'est comme un peu une... Je ne sais pas, je le perçois vraiment comme une espèce de relation amoureuse artistique. Je vis toujours des sentiments amoureux envers ces personnes-là. Oui, il y avait Julien Champagne qui était un de mes amoureux auparavant. Il y avait Alain Lefebvre aussi, c'était la même chose. Chittakone Bakan qui faisait les trames sur le nom de Hazy Montagne Mystique. C'est un bon ami. Émilie, c'est une bonne amitié aussi. Donc, c'est tous des gens qui ont été proches de moi ou qui le sont encore. Et alors, je reviens à Microsleeps parce que il me semble que dans Microsleep, tu arrives à créer des nouvelles relations ou quand même à mettre en relation à plusieurs aspects, plusieurs caractères de ta pratique. On a parlé du son, mais voilà, il y a l'intimité, il y a un certain goût pour la mise en place d'une sorte de nature morte. Tu filmes des still life. Mm-hmm. Il y a aussi un rapport au toucher. Et voilà, moi je trouve qu'avec Microsleeps, tu arrives à faire le lien entre tous ces différents parcours qui sont liés entre eux. Et voilà, je me demande si pour toi c'est un nouveau départ. Mm-hmm. Un nouveau départ ou bien peut-être, juste pour être un peu plus simple, peut-être une nouvelle compréhension de comment tu travailles. Mm-hmm. Oui, en fait c'est ça, c'est quelque chose qui m'effrayait beaucoup de prendre l'espace. Donc oui, en fait ça m'a donné beaucoup d'autres nouvelles idées. Après avoir fait l'exposition, pour plus jouer aussi sur les éléments peut-être sculpturaux, dans le sens où les écrans prennent vraiment un espace physique. Puis j'ai choisi de faire ça parce qu'en fait, mon travail habituellement est présenté en monobande. Puis je ne me voyais pas faire trois projections sur trois murs parce que, premièrement, je ne connecte pas avec le numérique, puis les pixels en tant que tels. Puis mon idée de base, c'était de faire trois projections 16 mm avec des loopers. Et je me suis aperçue que ça demandait beaucoup de techniques puis de connaissances. Donc, c'est un projet que je vais garder finalement pour plus tard. Mais l'idée quand même
de la matérialité de l'image me tenait à cœur. Donc, j'ai pensé à l'image-objet, que, en fait, quand on regarde l'image, mais que ce soit un peu comme, je ne sais pas comment l'expliquer, comme un objet dans le sens où là, on voit les écrans, puis ils sont sur pied, sur des écrans autoportants, c'est pas, ça redevient en fait en 3D, d'une certaine façon, ça redevient tactile, c'est pas juste 2D, donc il y a une autre dimension. Puis je me suis inspirée de Mary Helena Clarke pour ces écrans-là, de son travail en exposition. Puis oui, j'étais contente d'avoir réuni plusieurs éléments, justement les still life qui viennent de, je pense, de mon parcours. Parce qu'au début, j'ai commencé à m'exprimer de façon artistique avec la peinture, donc sur des toiles. Ensuite, ça a bougé vers la photographie, mais encore une image qui est statique, puis vers le film et la vidéo, image en mouvement. Mais je pense que, en fait, moi, je ne me considère pas comme une cinéaste dans le sens où je ne me promène pas avec une caméra en faisant des mouvements ou des plans, tout ça. C'est un peu muet dans un certain sens. Donc, j'ai gardé cette idée-là, je pense, de créer des images en étant peintre ou photographe, si on veut. Puis le mouvement va plus apparaître justement dans les effets de mordançage ou dans les particules qu'on voit bouger parce que j'ai développé moi-même la pellicule juste dans un souple. Il y a plein de poussière qui se mêle à l'image. Donc, voilà. Et j'aimerais bien parler de ce rapport à la représentation du toucher que tu as, parce que je crois que c'est vraiment un des caractères les plus importants de ton travail. On voit dans Microsleeps, dans la projection la plus grande dans la salle d'exposition, on voit une séquence où l'on voit une main qui touche une raquette. Mm-hmm. Voilà, il me semble que il y a un discours sur le toucher, mais aussi sur une façon assez particulière de représenter l'érotisme. Qu'est-ce que tu peux me dire? Est-ce que j'ai rêvé ça? Non. je pense que aussi c'est bien que je mentionne que les mains qu'on voit partout dans l'exposition, c'est celles d'une personne spéciale pour moi qui s'appelle Alexandre. Donc déjà, si on part de là, ça devient déjà compliqué parce que en fait, Alexandre, c'est une personne pour moi qui c'est pas un amoureux, mais c'est pas juste un ami. Puis on n'a pas réussi à trouver de définition pour notre relation. Donc, ça laisse des gens très perplexes. on essaie souvent de nous mettre dans des boîtes, puis ça ne fonctionne pas, on n'est pas comme ça. Donc, nous, on s'amuse, puis parfois, par exemple, on se définit comme astrosexuel parce qu'on a des attirances, des excitations vraiment sexuelles envers la lune plus particulièrement, puis parfois le soleil. Puis ce genre d'excitation sexuelle-là, moi, je la vis aussi dans la musique. Quand j'écoute de la musique, je peux avoir des sensations vraiment fortes, puis je me questionne beaucoup là-dessus. Je n'ai pas trouvé de terme encore pour ça. Mais je pense que c'est une sorte de condition là, qui doit exister sûrement. Puis ben, toutes ces choses-là me font penser aussi un peu à des paraphilies. Donc, oui, c'est ça, des formes d'attirance sexuelle ou de désir qu'on peut expérimenter, mais qui ne sont pas très communes. Puis, pour la raquette, en fait, c'est précisément une collègue
dont j'ai appris qu'elle avait ce désir-là envers un certain type d'objet très, très spécifique. Puis ça me donnait envie d'explorer ça. Je ne me rappelle plus pourquoi exactement avec une raquette. Il y a beaucoup d'objets ou de choses dans l'exposition qui sont vraiment pensés. Puis il y en a d'autres que soit j'ai oublié ou que je sais pas trop pourquoi. Au final, des fois, c'est plus intuitif. Mais j'aime bien, moi, ce mélange de choses qui sont pensées et oubliées. Mais oui, puis après, en fait, avec la raquette, on voit des still life d'objets qui sont enrobés dans de la soie. Donc, j'avais envie de jouer un peu sur ça, sur peut-être l'envie de toucher les choses, de découvrir des choses, mais on ne peut pas finalement les atteindre parce que c'est caché, c'est jamais révélé. Voilà. Et la séquence de la raquette, c'est aussi, il me fait penser aussi que c'est peut-être un moment performatif devant la caméra, un accent performatif dans ta pratique qu'on revoit aussi, qu'on retrouve aussi dans une autre image, toujours dans l'exposition, où il y a des mains d'Alexandre, du coup, j'imagine, qui manipulent ou qui font tourner une pierre, ce qui semble être une pierre ou un fruit ou un melon. C'est un cantaloupe. Un cantaloupe. Oui. Et d'ailleurs, si on ne sait pas que c'est un fruit, on peut penser que c'est une pierre, peut-être. Mm-hmm. Mais du coup, voilà, je trouve que tu gardes un côté performatif même dans cette exposition, parce que on le voit aussi dans tes films. Moi, je pense aussi que quand on te voit, les rares fois qu'on te voit, par exemple, dans Plants Are Like People, tout à l'heure, je disais que c'était peut-être un autoportrait, ou je pensais que c'était un autoportrait, mais c'est peut-être aussi un acte de performance. Est-ce que tu... Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Oui, mais en fait, je me rappelle... Dans Plants Are Like People, en fait, ce que je faisais, c'est que j'essayais de mettre la caméra, de la mettre dans le bon angle. Puis ça tournait en même temps. Donc, c'était comme des essais que je faisais. Puis j'ai juste pris tous les moments où j'avais l'air perplexe puis à chercher. C'était pas des... je sais pas comment dire... Des plans qui étaient voulus pour être... disons, un peu esthétique ou quoi que ce soit. C'était vraiment plus moi qui cherchais un angle. Puis je ne m'attendais pas à révéler mon visage nécessairement dans ce film-là. Mais j'ai des expressions faciales assez fortes. Donc, le fait de vraiment être intriguée puis de ne pas comprendre qu'est-ce qui se passait, je trouvais que ça ajoutait vraiment un niveau de langage au film, un autre ton. Puis évidemment, c'est ça, j'aime beaucoup laisser les choses en suspens ou mystérieuses. Donc, c'était mon idée derrière. Et je repense aussi à cette chose du, enfin, à cette présence du cantaloupe. Parce que dans Microsleeps, il y a beaucoup de formes rondes qui reviennent. Et est-ce que c'était voilà une réfléchi, est-ce que tu es arrivé à ça, parce que de toute façon tu travailles avec le symbole, enfin tu travailles avec le symbolique toujours, du coup est-ce que voilà, est-ce que peut-être on peut parler des formes rondes et arriver à parler de ton approche symbolique aux images dans ton travail? Oui. En fait, j'avais pas remarqué que la forme ronde se retrouvait à beaucoup de place. Sur le coup, c'est quelqu'un d'autre qui m'a fait remarquer.
Mais par contre, j'avais eu cette idée-là de, oui, avoir... Bon, en fait, j'avais filmé un cantaloupe coupé en deux. Puis là, plus tard, je m'étais dit, ah, ça serait une bonne idée de faire un rappel parce que j'avais peur que les images soient trop disparates, que chaque canot soit tellement différent parce qu'ils le sont. Il y en a un qui présente des objets sur des fonds noirs ou blancs. C'est assez statique. L'autre canal, c'est très mouvementé avec beaucoup de nature puis de mordançage. Puis l'autre, ben, il y a des gestes un peu performatifs. Il y a un peu de parties de corps. Puis beaucoup de, encore une fois, de l'eau, de la nature. Puis c'est développé simplement à la main. Donc, j'avais peur que ça fasse aucun sens. Donc, j'ai décidé de parfois, oui, jouer avec ça, de venir remettre un cantaloupe dans un autre canal pour que ça fasse un rappel formel ou idéologique. Mais ce qui est drôle aussi, c'est ça, c'est que ce premier cantaloupe que j'ai filmé, il y en a un qui, on dirait qu'il regarde l'autre qui est juste couché, puis instantanément, moi, ça me fait penser à un deuil, à, comme si les cantaloupes, je ne sais pas, comme s'il y en avait un qui était triste d'avoir perdu l'autre. Puis dans ce même moment-là, c'était en juin dernier, j'ai un enseignant de peinture qui me, ben, en fait, qui a été un mentor aussi, que j'aimais beaucoup, qui s'appelle Daniel Oxley. Donc, il m'enseignait la peinture à Concordia. Puis, à ce même moment-là où je filmais, dans les mêmes jours, ben, il est décédé. Puis, c'est ça, en fait, c'est l'exposition lui est dédiée. Puis, partout dans l'espace, en tout cas pour moi, il y a quand même beaucoup de... Ben, c'est ça, de symboles, de messages un peu cachés. De quelque chose qui relève du mystique et du sacré. Surtout, en fait, c'est ça, avec, oui, avec ces formes-là rondes qui reviennent. Puis, en fait, derrière moi, c'est un mur que j'ai demandé à ce qu'on construise, mais qui est aussi un hôtel pour, en fait, je dirais... pas rendre hommage, mais peut-être souligner la présence de Daniel, puis en même temps d'une divinité avec laquelle je travaille. De l'autre côté, on voit des pommes grenades dont je n'avais pas pensé que c'est encore rond, mais c'est un fruit que j'offre régulièrement à cette divinité-là. Donc, oui, il y a beaucoup de symboles. En fait, s'il n'y a pas de symboles, ça ne fonctionne pas. c'est ma façon à moi d'avoir créé mon propre langage. Puis comme je te parlais l'autre jour, encore une fois, une inspiration qui m'est venue pour continuer à creuser ce langage formel-là, c'est Lia Perrin-Sidarus, une photographe qui fait beaucoup de mise en scène avec des objets qui s'apparente à des styles life et tout. Donc, parce que je trouve que c'est quand même très étrange comment parfois on peut se dire « Ah, je vais filmer justement comme ici un objet dans de la soie puis ça va vouloir dire quelque chose parce que ça pourrait être juste très insignifiant aussi. » Donc, on dirait que faut que je mette beaucoup d'énergie pour que ça prenne vie. Sinon, ça n'a pas d'âme. C'est très intéressant parce que on arrive au sujet que moi j'aime le plus et dont on a déjà parlé plusieurs fois de ça. Et il me semble que c'est toujours en même temps facile et très difficile de parler de ça, enfin, parler de collage, de relations entre les images, mais aussi de relations entre nos envies d'images et ce qu'après on va vraiment réellement utiliser pour une pièce. On a souvent parlé, on aime beaucoup le cinéma de Mary Helena Clark,
Voilà, on a souvent parlé de... Moi, je parle tout le temps de collage. Toi, tu m'as appris à parler aussi, à nommer aussi des aspects vraiment très, très abstraits, comme par exemple l'usage des monochromes. Et toi, tu utilises beaucoup des images monochromes. Voilà, est-ce qu'on peut parler un peu, encore une fois, mais cette fois publiquement, de montage, de relation entre les choses, parce que je crois que là, avec Microsleeps, il y a vraiment un aboutissement. Là, tu passes un cap et tu arrives à trouver des alternances, des relations vachement plus, plus fortes et du coup un lien plus fort avec ton rapport au spirituel, aux images, aux relations. Voilà. Est-ce qu'on peut parler encore une fois de montage, Charlotte? Oui. Ben juste comme ça, de base, là, parce que j'étudie aussi en sexologie, puis là, à un moment, j'étais perdue dans mes théories puis mes pensées, puis je me disais, ah, celui-là avec justement la raquette, les objets enrobés, ça pourrait être l'inconscient, celui-ci le préconscient, l'autre le conscient, donc j'aime ça faire jouer un peu avec ces motifs-là. Mais oui, pour les plans monochromes, ben, ça a commencé avec You're a Plant Whisperer, parce que j'étais dans une crise où je ne voulais plus faire de glitch, donc de manipulation sur bande magnétique. Puis ça me tourmentait vraiment beaucoup. Je me disais, je ne sais plus quoi faire de ma vie, je ne serai jamais capable de continuer à faire de l'art. Puis à un moment, je me suis dit, bon, on va y aller très minimaliste. J'ai un mixeur vidéo, puis je vais juste essayer de connecter avec les couleurs qui me plaisent. Puis de jouer avec ça. Donc, j'ai enregistré plusieurs fois en faisant des petites manipulations, ces écrans, ces couleurs-là qui devenaient juste des écrans colorés. Puis évidemment, moi, le rose, ça vient me chercher instinctivement. Donc, j'ai commencé avec ça. Puis, je me suis mise à m'intéresser à juste la subtilité. Parce qu'on sentait vraiment la bande magnétique. Puis, je ne sais pas pourquoi, mais ça me faisait penser à la musique de Sachiko M. Donc, le plus minimaliste possible. Puis, je me suis beaucoup amusée, c'est ça, à faire des fades entre les plans monochromatiques puis les plans figuratifs. Donc là, c'était une nouvelle façon d'intégrer deux images ensemble, parce qu'avant ça, j'avais une tendance à faire le montage d'images assez différentes pour moi et de les coller, de les réunir avec des fragments de mots ou de phrases. Donc, c'était le moyen que j'avais trouvé pour que ça fasse du sens. Puis là, après, avec les plans monochromatiques, je me suis dit, ah, mais c'est une autre façon, sans me forcer nécessairement non plus à mettre du texte, parce que des fois, ça ne fonctionne pas toujours avec le texte. Puis en fait, je préfère ça aussi parce que mon travail est quand même assez chargé visuellement. Puis je trouve que quand on se retrouve face à juste des couleurs, ben, de un, ça peut donner aussi un certain ton, ça peut transmettre une certaine atmosphère. Moi, je suis sensible à ça, donc si on montre du jaune, je ne vais pas réagir de la même façon que si on montre du vert. Puis aussi, ça permet à la personne qui regarde de prendre une pause, puis de se retrouver un peu dans un monde intérieur, puis d'intégrer ce qui vient de passer, qui était hyper mouvementé. Moi, ça me fait vraiment penser à Sachiko M. pour que c'est quelque chose de vraiment... Il faut se mettre en position d'écoute, mais je pensais à un album en particulier où il y a juste des sine waves, mais c'est tellement juste ça qui se passe qu'on peut entrer puis aller à son rythme quand même. Donc, je pense que c'est entre autres pour prendre des pauses, pour intégrer, assimiler ce qui s'est passé, puis en même temps pour mettre un ton, si on veut, mais pas trop dirigé.
comparativement aux mots qui sont plus directionnels. Et tu as parlé aussi, voilà, tu viens de mentionner l'usage que tu faisais de l'écriture du texte dans tes films. Et là aussi, il me semble qu'il y a eu une évolution, une très belle évolution, parce que, en fait, le texte qui est très poétique et qui est toujours en anglais, il me semble, et en fait, le texte, il va ponctuer le film et les images. Et c'est, je parle d'évolution parce qu'il me semble que dans les derniers films et même dans l'exposition, le texte est de plus en plus intégré. Il arrive naturellement. Mais je ne t'ai jamais posé cette question. Comment ton processus d'écriture? Est-ce que c'est que des notes? Est-ce que tu écris pour chaque projet, tu écris ou tu vas piocher dans des notes? Comment ça marche? Mm-hmm. Dans les films que j'ai faits plus vers 2016, ça fait longtemps, je m'inspirais beaucoup justement d'Alain Lefebvre qui faisait les trames sonores. Puis à chaque fois qu'il m'envoyait des courriels, je me disais « Oh wow, c'est tellement beau cette phrase-là! » C'était tellement, je ne sais pas, je trouvais ça étrange et poétique. Donc, ça allait plus dans ce sens-là. Par la suite, j'ai tendance à... Je pense que c'est parce que pour vrai, je déteste ça, mettre des sous-titres supplémentaires pour des festivals. Je fais tout ça en anglais pour éviter. Mais ça fait en sorte que même si je suis allée à l'université en anglais, c'est pas ma langue première. Donc, ce que j'écris, c'est comme un peu boiteux, ça fait pas toujours du sens, mais j'aime en fait que ça fasse pas complètement du sens. J'apprends à manier un peu ma façon d'écrire puis à l'apprécier. Là, c'est comme un processus d'appréciation personnelle. Mais j'ai rarement en tête je vais faire un film puis je vais mettre ce texte-là parce que ça va pas fonctionner. Donc, c'est souvent... que oui, je relis souvent mes journaux intimes, puis là, des fois, ça peut juste m'apparaître comme ça. « Ah, ça va aller à cet endroit-là. » Mais mes journaux intimes sont assez éclectiques aussi. Même moi, je me retrouve pas parfois. Donc, oui, c'est plus une technique de collage, je dirais, qu'un tout, une espèce de bloc pour ce qui concerne l'écriture. Et en parlant de collage, et j'aime revenir sur les relations qu'on peut créer entre les différents symboles, les images. Et là, avec Microsleeps, tu commences à insérer la sculpture dans dans ton travail. Mais j'imagine que tu as été formée aussi en sculpture, tu as peut-être fait des études. Parce que là, il me semble que tu commences avec... tu as déjà un rapport intellectuel à l'insertion des objets dans les images du film et dans l'espace d'exposition. Et c'est un rapport... il me semble déjà très complexe. C'est pas montrer les choses qu'on voit dans le film ou exposer les objets qu'on voit dans le film. Il y a quelque chose de plus sensible. Est-ce que je me trompe? Non, pas du tout. Oui, mais ça partait encore de cette crainte-là de ne pas habiter l'espace de façon adéquate. Puis, en fait, c'est ça, c'est Émilie qui m'avait dit, « Ah, mais pour justement faire des rappels, peut-être que tu pourrais
montrer les images qui sont sous, ben, en fait, les objets qui sont sous les tissus de soie dans le film ou exposer les morceaux de tissu. Puis je me disais, ben oui, mais c'est beaucoup trop évident, puis ça perd du charme, puis du mystère. Donc, j'ai essayé de m'efforcer à penser à comment je pourrais faire ça. Puis je me disais, mais ça pourrait être des objets que j'aurais voulu filmer, mais j'ai pas le temps ou je sais pas, peu importe la raison. J'ai eu différentes idées. Au début, parce que j'ai peur des trous. c'est une forme de phobie, là, je ne me rappelle plus. Trypophobie, je ne sais plus exactement, mais puis ben, justement, Alexandre m'avait dit, ah, mais tu devrais en filmer pour t'aider à surpasser ça. Puis c'était venu en fait d'un ail, je ne sais pas comment dire, une gousse d'ail. J'avais coupé juste le pied, puis là, on voyait vraiment des formes. Ça m'avait fait sentir mal. Donc, je m'étais dit, ah oui, peut-être que je pourrais mettre des morceaux d'ail sur des bouts de tissu, puis tout ça. Puis finalement, je ne sais plus pourquoi exactement, mais j'ai fait des petites sculptures avec une amie à moi qui s'appelle Sheda, puis elle fait de l'art-thérapie. Donc, j'étais vraiment fâchée au début de faire de la sculpture avec elle parce que je ne savais pas quoi faire, je me disais, mais je ne vais pas faire quelque chose de figuratif. Ça m'a pris comme 2 heures à faire juste de petites formes assez simples, mais on dirait que j'y ai pris goût, puis je me suis dit, ah, ça pourrait être intégré dans l'exposition. Puis ça m'a pris un bon moment à savoir comment les intégrer aussi. Au début, je voulais faire des délimitations proches des écrans avec ces petites sculptures-là. Après, ben, j'ai pensé justement à refaire un lien avec les tissus qui sont bleus dans le film, puis en prendre un plus de couleur beige qui allait bien s'allier avec ces sculptures-là qui sont de couleur assez métallique. Puis après, ben, j'ai pensé aux eaux de lune aussi parce que ils sont là. C'est des petits bocaux juste en verre, puis on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Ça a l'air très banal, mais c'est drôlement très sculptural aussi. Puis on voit vraiment les reflets. En fait, il y a une personne qui avait dit, ah, il y a des reflets verts, comment ça se fait? C'est un mur qui est bleu. J'ai compris que c'est la projection qui vient altérer. Donc, c'est des petites choses comme ça qui font que les objets se relient. Mais puis encore une fois, pour la sculpture, c'est aussi Célia Perrin-Sidarus qui m'a inspirée parce qu'il me semble que c'est ça, elle joue beaucoup avec les objets qu'elle filme, les objets qu'elle fabrique, puis où est-ce qu'ils se retrouvent dans l'espace ou dans les films. Ça m'avait beaucoup plu parce que ça vient mêler le rapport à la réalité ou à nos perceptions. On dirait qu'on sait plus ou moins qu'est-ce qui est vrai ou qu'est-ce qui est faux d'une certaine façon. Puis c'était aussi ma prémisse de base. Quand on entre, la première chose qu'on voit, c'est notre reflet dans le miroir qui est rond. Puis c'est un miroir qui a des drôles de reflets chromatiques dedans, des drôles de couleurs qui n'appartiennent pas justement à la réalité. Donc, c'était une façon pour moi de dire aux gens qui entraient d'emblée, ben vous n'êtes pas dans un espace connu, si on veut. Est-ce que ce ne serait pas aussi ce miroir à l'entrée un message comme si tu étais en train de dire que en fait tu es en train de montrer quelque chose qui est à toi, mais qui pourrait être aussi qui pourrait être des dimensions aussi des autres personnes, des visiteurs, de la vie des autres, parce que tu montres des éléments et des caractères assez spéciaux, mais en même temps, finalement, il y a quand même de l'ordinaire, si tu veux, il y a quelque chose de simple. Mm-hmm. Voilà, je reviens au fait que quand tu présentes ton travail et ton intimité à travers ton travail, on dirait que tu présentes quelque chose
de hyper intime, mais en fait, tu nous renvoies ça. Tu nous renvoies cette intimité, peut-être. En fait, tu parles aussi des autres, je crois. Mm-hmm. C'est peut-être un peu l'imaginaire collectif. C'est toutes des choses qui se trouvent autour de tout le monde. C'est juste une façon de les regarder différemment, mais ou une psyché collective. Merci, Charlotte. Ça fait plaisir. Merci à toi, Stéphano.